Dans cet exercice, il s'agit de calculer une moyenne pondérée extrêmement classique. Donc on peut calculer directement. On a, et donc x bar pour symboliser la moyenne, eh bien il y a 15 élèves qui ont 0 animaux, plus 8 élèves qui ont 1 animal, plus 3 élèves qui ont 2 animaux, plus 1 élève qui en a 3. Et tout cela sous-divisé par le nombre total qui fait 27. Et mon effectif total, 15 plus 8 plus 3 plus 1. Et au total, cela donne environ 0,6. On peut être étonné de la faiblesse du résultat, mais si on regarde ma série, on voit que 15 élèves donc sur 27 ont 0 animal chez eux. Donc c'est plus de la moitié. Et donc cela tire sensiblement la moyenne vers le bas. Et donc on peut conclure que le nombre moyen d'animaux et donc de 0,6 environ.